Il y a quoi? Ah non, ça c'est un... C'est pas une chenille, mais c'est un cocon. Un cocon, tu penses? Ouais. Tu penses qu'il y aurait plein de cocons comme ça? Non. Ça c'est les plantes. Ça, c'est... Tu peux le ramasser, hein. Deux portes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un scarabée. C'est tout le monde. Super. Fais voir. On va le laisser là quelques temps et puis après. Après on le relâche. Après parce que... Mais on va rouvrir quelques temps. Enfin, porte et scarabée. Je pense pas. Bah ça, tu peux le vérifier dans le livre. Essayer de trouver le nom du. Attends. Le livre. Tu sais là, le livre. Il est là. Je vais ouvrir un peu. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu essayes de débusquer? Des serpents. Des serpents dans les hautes herbes? Oui. Ah, et alors? Tu penses qu'on donc en verra aujourd'hui? On va faire des vibrations comme des petites proies. Et après, comme ça, il va peut-être venir. On va essayer de l'attraper avec le bâton. Ok. C'est ça? Avec un bâton. C'est quoi? Un serpent. T'as vu un serpent aussi? Non, mais on peut en trouver. Il y a des tiges. Un bouchon transparent dans l'écureuil roux. Ah non, mulot sylvestre, parce que là il n'y a pas les petits trucs qui restent. Oui. Là. Mmh. Donc ce serait un mulot sylvestre. L'écureuil il laisse des pics comme ça. Moi, et nous, ça serait plutôt un mulot sylvestre qui laisse rien. Et celui-là, c'est quoi? Sans mulot sylvestre. Ouais, en plus, ça serait mulot sylvestre. Ah, c'est... Parce que c'est là, c'est ça.